Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël et donc laissez-moi vous souhaiter un bon réveillon et un joyeux Noël. Cette vidéo ne va pas être très longue mais il y aura pas mal de news, d'infos, etc. Je vais vous faire un petit point sur la situation. Merci déjà d'être presque 6000 à l'heure où je tourne cette vidéo à m'avoir rejoint, ça me touche vraiment, merci encore pour votre fidélité et nous ne faisons que grandir, ce qui eh bien, me rassure et me motive chaque jour à continuer l'aventure. Merci encore à vous, voilà, c'était le petit cadeau que je pouvais vous faire, c'était au moins de vous remercier pour tout. Et maintenant on va parler du futur. Alors sachez déjà que dans l'immédiat, à partir de ce jour de Noël, il va y avoir une petite pause. Alors attention, pause, ne dites pas catastrophe, il va juste y avoir un débit de vidéo moindre jusque nouvel an. Je vais juste prendre une semaine où je vais lever le pied, bah, parce que bah, voilà, je dois voir la famille, je dois faire, voilà, j'ai une vie à côté, vous le savez, comme beaucoup. Donc on va juste lever le pied en ce qui concerne la semaine jusqu'au 1er janvier. Le 31 décembre, je vous donne rendez-vous pour une petite vidéo spéciale, hein, puisque ce sera le réveillon, ce sera la dernière de l'année, donc on va se faire une petite vidéo spéciale, ou deux, on verra comment je vais faire ça. Rendez-vous le 1er janvier avec la nouvelle intro, il va y avoir une nouvelle intro pour la chaîne avec le programme de 2016, donc vous allez voir ce qui va revenir, ce qui va arriver, ce qui sera nouveau, ce qui sera mis en place, etc., les informations, avec beaucoup de choses que je ne peux pas encore vous dévoiler qui sont en pourparlers. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté, mais voilà, cette semaine-ci sera un peu plus light jusqu'au 1er janvier. Pour 2016, il y aura pas mal de choses qui vont revenir, dont une chose que vous avez été très, très nombreux à me demander. Oui, F1 2015 revient en janvier. F1 2015 reprend avec le Grand Prix de Bahreïn dès le mois de janvier, je vous le promets. Il y aura le Grand Prix de Bahreïn au mois de janvier, c'est réglé, le PC a été formaté, etc. Au mois de janvier, il va également y avoir une mise à jour du PC, c'est-à-dire que je vais être pendant quelques jours sans ordinateur, puisque je vais le changer complètement, je vais refaire une installation. Je vous ferai une vidéo setup 2016, comme ça vous aurez toutes les infos, pour les années, les semaines et les mois à venir, hein, voilà, donc un gros upgrade. On parlera aussi diffusion, il va y avoir pas mal de championnats diffusés sur la chaîne Twitch. Chaîne Twitch qui devrait peut-être également changer, ça aussi je vous tiendrai au courant. Je vous invite à rejoindre le Facebook et le Twitter parce que j'y donne beaucoup d'informations en instantané que je ne peux pas donner sur YouTube parce qu'il faudra à chaque fois faire une vidéo, et comme vous êtes beaucoup plus nombreux sur YouTube que sur Facebook par exemple, ben, y a beaucoup de gens qui posent des questions sur, sur YouTube auxquelles j'ai déjà répondu sur Facebook. Donc voilà. Quoi d'autre dans l'immédiat? Il va y avoir une découverte d'un jeu aussi en 2016 que vous attendez tous, c'est iRacing, voilà, iRacing qui va arriver sur la chaîne, en tout cas de manière très légère, mais il y aura du iRacing sur la chaîne YouTube, donc ça devrait ravir certains. On aura quelques tests de voitures, notamment une voiture hybride par un moteur Honda qui n'a pas fait de très belles performances cette année, bref. Les plans A3, eh bien les plans A3, il y a eu un épisode et ensuite ça s'est arrêté tout de suite pour des soucis techniques. Grâce à différents amis qui m'ont eh bien, fait quelques donations et quelques cadeaux d'anniversaire notamment, eh bien, les plans A3 reviennent. Il y aura des plans A3 tournés sur différentes plateformes. Ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir remettre en route ça. Les courses en ligne sont revenues. Donc, il y en a, vous avez eu la Clio Cup. Vous allez bientôt avoir du GT3 à Monza avec toujours Max. On a vu que le format vous avait plu. Donc, peut-être que quand je pilote avec 2-3 potes, eh bien, on fera peut-être des vidéos... parfois même sans qu'ils le sachent, pour que ce soit bien plus authentique et bien plus spontané. J'ai vu que ça vous avait pas mal plu, moi j'étais content aussi de vous reproposer les courses en ligne qu'on avait arrêtées parce que eh bien, c'était un petit peu le bordel sur les lobbies ouverts. Un peu moins de track day, malheureusement, parce que bah, voilà, le track day est en train de se réduire parce qu'il y a de moins en moins de modes produits pour Assetto Corsa. La carrière Project Cars prend beaucoup de temps, pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises en commentaire, c'est toujours une place à l'actualité. Par exemple, la semaine avant Noël, je devais vous faire la carrière Project Cars le week-end où j'étais à la Cap Arena. Malheureusement, eh ben, y a plusieurs choses qui sont sorties. La Formula Race Room, le circuit de Buriram, ensuite il y a eu le pack DLC Renault Sport, donc tout ça c'est un peu goupillé, et comme je vous le dis, j'essaie de réagir au plus vite à l'actualité, c'est le but aussi de la chaîne, donc c'est normal que parfois... Ben voilà, il y a des choses qui prennent un peu de retard, même si je suis conscient que suivre une série avec un épisode tous les mois, c'est compliqué. Mais vous résistez bien à What the Cut et vous résistez bien à la carrière Skyrim de Bob Lennon. Donc voilà, peut-être qu'une semaine ou deux sans carrière Project Cars, c'est tout à fait vivable. En tout cas, pas mal de choses qui vont donc revenir.
On va mettre en place de nouvelles choses. Je vais mettre en place ce que je veux faire depuis longtemps. Ça s'appelle la nuit des abonnés. Alors la nuit des abonnés, c'est quoi? C'est qu'une fois par mois, au moins, eh bien, on se retrouvera en live sur Twitch et on jouera ensemble aux jeux vidéo. Comment ça se passe? Eh bien, on fera des soirées sur Project Cars, des soirées sur Race Room, des soirées peut-être sur Dirt Rally. Et on va essayer de faire du multijoueur avec les abonnés, avec vous qui me suivez depuis longtemps et qui me demandez ça depuis longtemps. Maintenant que tous les jeux sont quasiment en fin de développement et que je vais avoir un PC apte à streamer, eh bien, on pourra faire des soirées ensemble où on jouera entre abonnés et youtubeurs. Il y aura peut-être des libres antennes qui vont se mettre en place aussi. J'ai vu que ça vous avait bien plu aussi lors de l'anniversaire de la chaîne. Peut-être que pour les 6000 abonnés, il y aura une libre antenne début d'année. Ça, ça pourrait être sympa. Donnez-moi aussi vos idées. Si vous avez envie que je fasse quelque chose avec vous, bah, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. Je vous lis et je vous réponds toujours. Et je souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes qui me rejoignent, même encore tard cette année. Il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc là, vous voyez actuellement, j'en ai pas parlé, mais vous êtes sur Wreckfest avec la spéciale Noël où c'est eh bien un Demolition Derby, un Destruction Derby entre Père Noël en tondeuse à gazon. C'est assez original, c'est sur Wreckfest. Hein. Donc il y aura des nouveautés, on va faire du Sébastien Lebraliévo. Il y aura la carrière WRC5 que je vous avais promise, qui va arriver aussi, la carrière WRC5. Mais c'est aussi en attente pour diverses raisons. Cette carrière devrait arriver, je l'espère en tout cas. Voilà. Donc un beau programme pour l'année prochaine. Je vous laisserai découvrir le trailer avec eh bien, tout ce qu'il faut à partir du 1er janvier. Le 31 décembre, rendez-vous donc pour des vidéos spéciales. Ce sera la dernière de l'année. J'espère que vous avez une petite idée de ce que je vais faire. En tout cas, ce ne sera pas une révolution, mais moi, je tenais à le faire parce que l'année prochaine, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Noël. Merci en tout cas chaleureusement à toutes et à tous. À toutes s'il y en a. Mesdames, exprimez-vous bon sang dans les commentaires. Vous êtes importantes, bon sang. Merci donc à tous, merci à tous ceux qui m'ont permis cette année de grandir un petit peu. Donc je pense à Dopamine par exemple que j'ai rencontré, avec qui je commente un peu le championnat de France Forza, à Richard, à la LSMV, à plein de sociétés, plein de gens qui eh bien, m'ont tendu la main. À un moment où je ne m'y attendais pas, à un moment où tu vois, la vie c'est aussi des rencontres, ce sont des gens qui t'aident. Et voilà quoi, c'est ça qui fait que je peux avancer grâce aux gens qui tendent la main. C'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui nous sommes heureux. Bref, je vous souhaite un joyeux Noël, mangez bien, buvez bien, rentrez sur la route sans vous prendre pour un pilote. Vous n'êtes pas sur un circuit, je vous fais confiance les amis, et on se retrouve en 2016 pour de nouvelles aventures. Merci à tous, et bonne fête de fin d'année. Salut les amis, bon amusement en piste, ciao !